Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide. Ah, c'est magnifique ça, je pense, je vais faire ça à chaque fois. Hop, on va faire un petit plan stylé et paf! Voilà. La dernière fois, on a fait deux choses. On a un peu. On a avancé un peu vite dans l'interlude. À savoir que nous avons retrouvé notre cher guide dans le désert, dans ce désert de je ne sais plus où. Car il était enlevé par les scorpions qui eux-mêmes étaient contrôlés par une entité démoniaque. Puis, malheureusement, nos bœufs ont été morts de soif et nous avons dû trouver de l'eau en parlant avec les personnes de ces lieux. Je ne sais plus comment s'appelle cette. Enfin, c'est le nom que nom à la tribu. Sauf que les rivières se sont taries et on a dû voir dans ce tombeau de quelle grâce affronter le mal qui y hante. Et à savoir qu'à la fin, c'est-à-dire par ici, un combat chiant contre un bon boss. Il est assez rare d'en trouver dans cette extension, qui, je le rappelle, doit être fait soit avec un reroll, soit au tout début si vous possédez le jeu ainsi que l'extension, ou bien les deux, ou que sais-je encore. Maintenant, nous allons changer de map car nous avons réussi la quête, nous avons réussi toutes les quêtes. C'est toi. J'avoue que je suis impatiente de visiter les ruines que nous ne manquerons pas de trouver. L'antique Netheril m'a toujours fasciné. Ok. Non, non. Ah mais c'est un. D'accord, je viens de découvrir que cette personne était un follower. Vous êtes de retour. Ah voilà. Vous avez obtenu la permission de prendre des. Oui. C'est une très bonne nouvelle ainsi que les 1000 points d'expérience. Ah, je suis à 144 000. Ouais, ça va aller vite. C'est une très bonne nouvelle, mais il nous a fallu un bon moment. Si vous êtes prêts à continuer, eh bien continuons. C'est parti. Oh, plus tard. Waouh, on a avancé. Ah, et nous avons toujours Xanos Messarmos avec nous. Alors, Catherine. Nous y voilà enfin. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Je sais que j'ai été un peu rude avec vous parfois. Nous n'y serions probablement pas arrivés sans vous. Oh, c'est rien, j'adore le désert. Xanos, je vous remercie. Mais sans Yann, mon fidèle comparse. Oui, je ne l'aurais certainement pas fait aussi bon. Il y a de bonnes chances que sans Yann, voilà, voilà. Voilà, c'est un petit peu le comic relief, le sidekick rigolo. Alors, maintenant, si je peux finir, oui. Ah bon? Je suis certaine que l'un des adorateurs d'Ao acceptera de vous emmener. Ils sont très gentils, peut-être même un peu trop. Puis-je faire quelque chose pour vous avant votre départ? Non, je vais y aller. Allez, salut tout le monde, salut madame, salut les bœufs portatifs. Suivons le chemin. Parlons à cet homme-là, mais d'abord allons là-bas. Voilà, nous on vient de là, de ce. Voilà, c'est même marqué. Oh putain, c'est une zone! Vers le désert désertique. Alors, admirons un petit peu ces plants de palmiers. Très très beau. Ah oui, j'ai une nouvelle armure sinon, que je trouve, ma foi, fort. Fort belle. Alors, parlons à ce garde. Bonjour, garde. Bonjour. Bonjour. Encore un étranger, je vois que vous êtes avec la caravane. De Kilahalot. Qu'est-ce que vous racontez? Un homme à moitié mort est arrivé en rampant pour se soigner. Je l'ai mené au grand temple. Je ne l'ai pas revu depuis, mais personne qui a dit qu'il était mort. Et je pense que vous le trouvez encore là-bas si ça m'intéresse. Que savez-vous de cet homme blessé? Je crois que c'est un de ces magiciens qui font des fouilles dans les ruines de la vallée des vents. Garek quelque chose. Garek à Halasser? Si, c'est ça, c'est lui le chef de ces gars là-bas. Comment ils disent qu'il s'appelait?
Des archéologues. Oh, sinon. En tout cas, il se passe un truc moche. Un peu, on a envoyé des gens. Mais là. Combien y a-t-il de magiciens? Une douzaine. Oui! Moucharak. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est un volet qui claque. Je reviens. On nous voici de retour. Pardon, excusez-moi. Une petite. Une petite affaire IRL. Rien de bien. Rien de bien méchant. Juste un volet qui claque. Il y a du vent dehors. En ce jour de décembre. Alors donc. C'est beau ce que recherchent ces magiciens. Ah, les objets anciens, j'imagine. Mais j'en sais pas plus. Moi. Et qu'est-ce que c'est cette vallée? Ouais. Ah, blablabla. Ce dieu, Aou, c'est pas vraiment croyant. Ouais, même si Aou existe, il a absolument rien de fiche du gars qui te vénère. Ah, blablabla. J'y vais. Merci beaucoup, mon ami. Tu es utile. D'accord. Oh mon dieu, il y a des gens. Bonjour. Bienvenue. Tu es quoi? Mais dis-moi, tu es étrange. Oh oh. Voilà. Bon, voyons voir ce que vous pouvez trouver. Alors, montre-moi ta merde. Oh, j'ai le cristal. Ah, des bibelots. Des trucs et des machins. Ouais, c'est basique tout cela. C'est basique. Un garde. Oui, alors. Oh mon dieu, il y a une petite montée, je ne peux pas aller plus loin. Oh, il y a un léopard. Bonjour madame. Bien le bonjour. Jasmina, bonjour. Oh, tu es très mystérieuse. Ah. Mmh. Ah bah oui, évidemment. Et quel magicien? Oh là 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 là. Mais qui êtes-vous, Jasmina? Ah, c'est un basket. Tu es druide, ça. Oh. Le vin de discipline. De disciple. Mmh. Je crois que ça serait en référent à l'évêque du temps. Oh. Ah, les bédouins, voilà. Très bien. Tu es un léopard fort beau et bien modélisé. Alors, on m'a dit qu'il y avait un temple. Moi, je vois des tentes. De fort belles tentes. Et là, c'est un fidèle d'Ao qui doit prier. Ah! Voilà donc le temple. Messieurs, dames, bonjour. Ce temple est magnifique. Oh, bon, messieurs, dames, Nyangong, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour, madame, machin. Ah! Ah, vite! Bonjour. Oui, tiens, prends ma trousse de premier secours, j'en ai tellement. Bien joué! Tu es qui, tu es quoi, bordel de merde? Ah oui, ah c'était lui que je devais aller voir. Qu'est-ce que c'est? Lui montrait le cristal. Un mitala. Oh, vous trouvez ça? Ah, ce n'est pas de... ce n'est pas ce qui importe pour l'instant, vous me parlerez plus tard. Il y a un lien entre présence et l'attaque du site des fouilles. Oui.
Allez-y, allez-y, allez. D'accord, il y avait des prières. Alors, blablabla. La silhouette venait-elle du portail? Une femme. C'est toujours une femme. Que me suggérez-vous de faire? Vous devez trouver cette femme et l'empêcher de franchir le portail si elle n'a pas encore réussi. D'accord. Oui, tout cela. Alors, la qualité, parlons. Monsieur l'évêque, bonjour, excusez-moi d'interrompre. Bienvenue, mon enfant. Bonjour, monsieur. Tu peux arrêter avec tes bras, s'il te plaît. Calme-toi. Qui êtes-vous? Mon nom n'a pas d'importance. Parlez-moi de notre seigneur et maître. Ah, oh. Oui. Comment devient-on un fidèle? Oh, puis-je tenter cette épreuve? Oh, vas-y, on va faire ça. Oh, c'est bon, calme-toi. Plus léger que l'air, plus lourd que le monde. Oh putain. Ah. La vie? Oh. Quoi? Quoi? Mais quoi? Mais de quoi? Ah! Merde! Ça ne doit plus me respecter. Mais quoi? Oui, mais calmez-vous. Pourquoi pensez-vous que je suis Yao? Mais calmez-vous. Qu'en pensez-vous au prêtre? Mais moi, j'ai cru. Mais c'est faux. À partir du moment où on est présent, ou foutez-moi le prêtre. Non, foutez-moi. Mais j'ai pas fait exprès! Oh! Moi, j'ai juste répondu à ta question. Bon, bah, toi, t'as dit en premier. Je suis pas haut. Un autre protection plus 3. Ah, finalement, écoute. Bonjour. Je suis pas haut. Oh, d'accord. Bienvenue. Je suis pas haut. Une amulette. D'accord. Donc, alors, voyons voir un peu ce que ces personnes ont. Une protection plus 3. Oh, et une amulette. L'amulette, c'est en dessous. Amulette de vitalité. Oh, 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 intéressant. Mais, j'aimerais savoir ce que la première personne allait me donner. Genre toi. Bonjour. Écoutez-moi. Quelle est votre offrande? Ça ne devrait pas importer pour nous tous. Une cape. Je possède désormais une cape Dao. Est-ce que il n'y a pas un respect ou qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Oh, 22, ça fait tellement de bien. Du coup, en fait, toi, la ferme. Que voulais-tu me dire tout à l'heure? Xanos veut mettre son contexte sur ce désert est un infernal, cesse de gendre. Bla.
Le bonheur, allégresse. Oh oui, ah là là. Mais je veux modifier la tactique, modifier ton équipement et te passer une. Ah non, t'as déjà une cape. Merde. Alors, c'est là. Tiens, prends cette cape de protection. Paf. Et voilà. Tiens, prends aussi cette merde. Très bien. Et donc là. Vous ne pouvez être ça, rose. Blablabla. D'accord. Bon, bah, les fous. Ces gens sont fous. Ils sont flous, mais j'ai une cape d'AO qui me procure des bonus de ouf gueudin. Et ça, c'est beau. Alors, un petit oasis. Hein. Très belle cascade. Hein. C'est beau. Oh, c'est un temple vers la vallée des vents. Oh, c'est ça. C'est beau. C'est la vallée des vents. Voilà, il y a juste un petit coin. Tout petit coin, là. Voilà. Et quelle était la quête? La vallée des vents. Qu'est-ce que vous indiquez comment rejoindre le site de la vallée des vents? On empruntera un passage du sommet. Par exemple, qui sait, qui sont... Très bien. Alors, dans ce cas, pénétrons dans la vallée des vents.